Donc là, on va faire une taille de structure. Il a tigé, mais principalement vers le haut, hein, puisque c'est un feuillu, et donc eh bien, il a une dominante apicale, donc les branches ont tendance à pousser vers le haut. De toute façon, toutes les branches qui partent vers le haut, on va les enlever. Et puis toutes les branches qui sont vraiment dans le sens, on va dire, horizontal ou légère, qui montent légèrement, vous voyez, c'est de l'horizontale qui remonte légèrement. On va travailler sur ça et on va essayer de les mettre en forme. Quand vous travaillez comme ça un arbre, mettez-vous à la hauteur, mettez-vous à ce que votre œil soit pratiquement, si c'est pas à la cime, c'est juste en dessous, à un tiers en dessous. Ce qui permet comme ça d'avoir un plan global de votre arbre et de pouvoir vous positionner correctement pour travailler, avoir un rendu final. Si vous voulez, dès que vous taillez une branche, vous voyez de suite le résultat. Si vous mettez en contrebas, vous voyez ça en contre-plongée, c'est pas super au niveau de l'esthétique, vous n'avez pas la volumétrie qu'il faut. Et quand vous mettez trop haut, vous avez mal au bras aussi, c'est désagréable de travailler avec un plan qui est trop haut. Bien entendu, c'est encore plus agréable d'avoir un plateau tournant parce qu'on peut se rendre compte très vite s'il y a un manque d'une branche d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, hein, on travaille toujours à ce que les branches soient bien disposées tout autour du tronc. Donc là, bon, c'est le cas pour cet arbre. Hein. Il y a une grosse branche, une première grosse branche basse ici. Il y a une branche de profondeur ici, mais elle est en troisième position. La deuxième branche, elle est sur le côté, elle est ici. Elle n'est pas tout à fait dans le même axe, donc c'est bien. Voilà, troisième, et puis après quatrième branche, cinquième branche, sixième branche, septième. C'est correct au niveau d'une construction d'un érable. Bien sûr, hein, on peut faire nettement mieux. Ça, c'était donc un arbre qui a été prélevé en jardin, mais il a grossi dans un jardin. Quand vous faites grossir un arbre dans votre jardin, le problème, c'est que vous avez tendance à laisser trop tiger, laisser trop pousser. On me dit souvent, pourquoi tu ne mets pas cet arbre en pleine terre? Je ne le mets pas en pleine terre parce que j'aime bien le gérer aussi. Et gérer un arbre, ce n'est pas évident. Quand vous l'avez en pleine terre, il pousse. La première année, il ne va pas trop pousser, mais la seconde année, ça sera presque ingérable. Ici, on va travailler aussi sur un autre principe que je vous avais expliqué dans la théorie. C'est le principe de la conicité. On va travailler sur la conicité des branches pour le côté esthétique, tout simplement, avoir une belle conicité sur une branche. On voit que bon, la branche principale de cet arbre, c'est cette branche basse. Elle est assez grosse, elle monte un peu. Elle a déjà deux petites branches qui ont poussé à environ 3-4 cm. Ensuite, vous en avez une troisième qui est en profondeur là. Et vous avez la quatrième, mais la quatrième, elle a poussé vers le haut. Et elle est vraiment partie très très haut. Donc ça, c'est une partie, je pense, que je vais enlever au profit des plateaux qui sont plus bas. Et par contre, on va quand même travailler aussi sur la grosseur parce qu'on reste sur un arbre qui est en culture, donc on va pas tailler ces branches basses comme on va tailler les branches du haut. Je pense que je vais garder 3-4 plateaux intermédiaires. Pour l'instant, ça reste des branches un petit peu déplumées, hein, puisqu'il n'y a pas encore de densification sur ces branches, mais ça va bientôt arriver. La seconde branche, elle est ici. Ça, on va sûrement l'enlever, cette partie-là. On va rester sur des parties qui sont beaucoup plus basses, beaucoup plus plates, vous voyez, comme celle-ci. Celle-ci, il n'y aura presque pas besoin d'y toucher. On va toucher simplement les branches qui poussent vers le bas. Mais vous voyez, là, elles poussent sur les côtés. Là, c'est bien. Donc, je trouve que cette branche-là, elle est assez bien située. Celle-ci aussi. Il va falloir penser aussi qu'on a un retrait de sève qui est important, surtout en hiver. Donc, quand on taille, on va se laisser une marge de sécurité, comme on avait vu sur cet arbre la première fois que je l'avais taillé. On a une troisième branche qui est un petit peu plus grosse que celle-là. Elle est ici. Alors, dans le temps, je pense que ça partira. C'est pour ça que cette branche-là, il faut aussi travailler sur le fait de la laisser partir pour qu'elle grossisse au niveau du diamètre, parce que celle-ci est plus grosse que celle-ci pour l'instant. Là, par contre, on a un problème de conicité. Vous voyez, ça commence à devenir trop gros, à partir très très loin. Donc, je pense que je vais couper par ici pour garder plutôt ce plateau-là, favoriser des plus petits plateaux ici et ici. Pour ce travail, on aura besoin d'une paire de pinces rondes. Ça permet de bien travailler les coupes. On va avoir besoin d'une pince ronde concave également. Ça, c'est intéressant comme outil parce que ça fait des coupes propres. Vous avez la possibilité de tailler avec, comme si vous taillez avec une pince plate et aussi avec une pince concave. Et puis, naturellement, hein, la bonne vieille paire de ciseaux, ça, c'est toujours utile. Attention toujours à ne pas avoir de descente de sève. Donc, vous voyez, je laisse un moignon. Ce moignon-là, théoriquement, je vais m'en séparer par la suite. Là, j'ai plus besoin de ma grosse pince. Je passe avec des petits ciseaux.
voilà, sur les branches qui montent et qui descendent. Et on va laisser surtout les branches qui sont donc eh bien, positionnées de façon horizontale. On se laisse des marges de sécurité. C'est surtout ça qui est important à comprendre sur cet atelier. Donc ici, on est sur voilà, une branche qui monte. Donc ça, on va l'enlever. On travaille sur la conicité, donc on enlève les branches qui vont vraiment trop haut. Alors quand vous avez une fourche sur des branches fines, on va choisir toujours la branche la plus fine. Hein, si vous avez un choix comme ça à faire, les branches où vous avez deux tiges comme ça, ben vous coupez, vous enlevez pratiquement tout de la branche qui était grosse. Et puis vous laissez la branche fine et là vous laissez la longueur. Voilà. Donc là, on a géré déjà notre première branche basse. On a laissé des longueurs. Vous pouvez voir qu'on a laissé quand même quelques longueurs. On peut constater également que l'arbre coule un peu. Alors pour ça, ben, vous avez bien sûr des mastics. Vous positionnez un petit peu de mastic et ça ne pose pas de problème pour la suite. Là, les moignons qui sont morts, ça on les enlève maintenant. Et là, on a un gros tube. Alors je suis en train de voir. Là, j'ai des petites branches fines. Voilà. Donc ce moignon-là, c'est un moignon qui est destiné théoriquement à disparaître. Il faut faire très attention ici parce qu'on a deux départs. On va déjà sélectionner des bourgeons ou des tout petits départs. Je préfère sélectionner cette petite branchette qui va pousser, qui va partir sur le côté, plutôt qu'une branche qui va repousser vers le haut. Donc voilà. Ensuite, si vous n'avez pas envie que ça pousse ici, vous pouvez aussi enlever les bourgeons latents sur cette branche-là. Voilà, comme ça, là, vraiment, vous êtes sûr que ça va mourir et que c'est ici que ça va redémarrer. Et puis là, on a une branche qui est pas mal. Donc là, on va juste couper le bout. Alors bien sûr, il ne faut pas que les branches se croisent. Donc, on en profite pour faire en même temps une organisation des branches. Ça, c'est important. On enlève ce qui est mort. Voilà, toujours même principe. Donc quand on a trois départs, on n'en garde que deux. Et puis quand on a deux départs, il y en aura une plus courte que l'autre. Moi j'aime bien puisque ça fait un décalage. Je trouve ça plus joli, c'est plus esthétique après dans le temps. Là je vais couper au milieu. Comme ça va me permettre d'avoir un moignon. Voilà. Donc on enlève voyez, une grosse partie quand même. Ici, on risque d'avoir des nouveaux départs. Donc on fait attention quand même. Je vais recouper ça. Voilà, ça va me permettre si vous voulez d'assurer que ce moignon sèche et que ces deux branches se développent. Et ensuite ce sera à moi de gérer les longueurs de ces branches. Donc il y en aura une sur les deux qui sera plus longue que l'autre, et ça c'est une branche que je dois gérer, que je dois maintenir, parce que justement le fût de cette branche il est vraiment très gros et donc on doit la maintenir quand même assez courte. Alors vous pouvez aller plus loin en sélectionnant sur cette branche les bourgeons que vous voulez qui partent. C'est quelque chose que je fais par la suite, c'est pas quelque chose que je fais tout de suite, parce que là mon arbre il faut encore que les branches grossissent, donc j'ai pas besoin de faire cette sélection de bourgeons latents. Mais vous pouvez aller plus loin, c'est-à-dire que dans votre taille de structure, vous sélectionnez bien sûr les branches et vous sélectionnez aussi tous les bourgeons. Les bourgeons qui, par exemple, si vous voulez que votre bourgeon, eh ben, il parte d'ici, vous enlevez tous les autres et vous gardez que celui-ci, que le bourgeon latent. Et ce bourgeon-là, c'est celui qui va partir eh bien, au printemps de suite. C'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement sur les érables. Je le fais, mais à partir du moment où l'arbre il est quand même assez densifié, qu'il y a quand même une grosse masse de densification, parce que c'est très long à faire. Mais là, c'est pas vraiment encore utile. On n'est pas sur un arbre qui est mature, on est sur un arbre de culture, comme vous l'avez compris. Ça fait à peine un an et demi que je l'ai mis en bac de culture. Et je pense que je vais le garder encore en bac de culture cette année. On le passera en pot l'année prochaine. Et on viendra travailler sur la densification l'année suivante. Et là, on viendra sélectionner les bourgeons. Je vous montrerai ça aussi dans des vidéos, bien entendu. Donc après, quand vous avez compris le principe, ben, c'est quand même assez simple. Faites attention aux petites branches qui poussent dans des endroits très proches du tronc et qui sont des deuxième ou troisième branches, des troisième départs, deuxième départ comme ici par exemple. Ça on enlève, on évite parce que ça va faire trop de départs à un seul endroit. On favorise vraiment une des branches
voire deux maximum. Si vous avez trois ou quatre départs au même endroit, vous allez avoir une boursouflure, c'est pas très joli. Ici, on a une grande branche avec un grand départ, ça monte trop. Donc ça, je m'en débarrasse. Alors, vous voyez, là, on n'a pas besoin de travailler avec la ligature, hein, juste avec la taille, on fait les corrections, ça pose aucun problème. Là, notre hauteur. Voilà. Il faut tout le temps surveiller l'érable quand il pousse, savoir quoi choisir comme branche et faire la sélection de branches. Vous voyez ici, on voit bien, j'ai favorisé cette branche-là au profit de cette branche ici. Je compte sur le fait que ça va sécher et que là, ça va repartir. Alors, il se peut que ça ne sèche pas, hein, il se peut que ça reparte quand même, mais de toute façon, je l'enlèverai. On est globalement sur la cime de l'arbre, composée de plusieurs branches. On va favoriser une ou deux branchettes fines qui partent vers le haut, puisqu'il ne faut pas quand même tout couper, tout ce qui part vers le haut. Par contre, on va enlever tous les gros fûts, ces grosses branches qui poussent vers le haut. Ici, on stoppe la progression de cet arbre. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est par exemple que l'arbre il parte sur cette petite branche fine. Là, ça serait très très sympa. Donc ici, on va enlever aussi ce gros fût. Voilà, on va sélectionner. Donc maintenant, on est sur des branches qui sont beaucoup plus fines. On en a une, deux, trois, quatre, cinq, six avec celle-là. Celle-ci, on va la raccourcir. Voilà. Celle-ci, elle n'est pas vraiment sur la cime. La cime, je considère que c'est quand même plus ça que cette partie-là. Donc, on va garder un petit morceau, mais juste deux bourgeons latents. Ça, c'est une petite branche de profondeur, puisque là, je suis sur la face avant, vous êtes sur l'arrière de l'arbre. Donc deux branches ici dont une fourche, donc toujours même principe, on coupe une courte et on va garder une longueur. Voilà, je favorise la longueur ici qui est beaucoup plus horizontale. Alors je vais garder les deux bourgeons latents sur cette branche là, vous en avez deux ici et deux là. Naturellement on pense à nettoyer un petit peu le substrat parce que les feuilles qui sont mortes, qui sont tombées dans le substrat, voilà. Alors, j'avais laissé en même temps quelques fils de ligature. On peut faire aussi un surfaçage très succinct, on va dire. Mais ça permet comme ça d'enlever toutes les petites plantes qui poussent et qui absorbent les éléments pour l'arbre. Voilà, on optimise toujours la culture. On va positionner un petit peu de mastic, du mastic à pâte molle. C'est quelque chose que je pose en couche épaisse. Pour éviter justement que l'arbre coule de trop. Alors vous pouvez utiliser également du mastic à pâte dure, c'est très bien aussi, ça va rester on va dire plus longtemps. J'ai l'habitude de poser du mastic parce que je trouve que ça permet d'avoir une protection sur les tailles, ça évite les attaques de parasites, ça favorise aussi la cicatrisation des branches, donc c'est un plus. Et voilà, c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire. Lorsqu'on sera dans le pot de travail, le pot de finition de l'arbre, on fera très attention à positionner un linge, par exemple, à chaque fois qu'on fait un travail, pour pas qu'il y ait de détritus qui viennent sur le substrat. Cet arbre, durant l'hiver, je l'arrose une à deux fois par semaine uniquement. Ensuite, les périodes de pousse au printemps, à l'été et à l'automne, ça va être deux à trois fois par jour les arrosages. Je les laisse pratiquement à l'ombre toute l'année. Ils ne sont jamais au soleil, les érables. Ils sont protégés surtout durant l'été où c'est très très violent les chaleurs qu'on peut avoir dans le sud-ouest de la France. Si vous avez du vent, je vous invite à mettre des claustras et à fermer de telle façon que vous bloquez le vent parce que le vent va dessécher les feuilles. Gardez en tête que l'érable, il n'aime pas trop avoir d'eau. Il n'utilise pratiquement pas d'acadama. Je crois que là, il y en a 20 ou 30% maximum dans mon substrat. Pas avoir de rétention d'eau. C'est des arbres qui n'aiment pas trop finalement avoir d'eau stagnante. Moi, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao !